We are in Gabon here today because we have been working with 10 countries in Africa to develop principles and actions and also regional guidelines for sustainable oil palm development in Africa. And these 10 countries are at different stages of development. Some have developed their principles and actions. Others are in the process of developing that. And we think it's important to bring representatives from these countries together to share lessons and experience so far with the process when it started 2 years ago. Le Gabon prend ce rôle de leader parce qu'il y a d'abord les engagements internationaux qui ont permis au chef de l'État d'être au devant de la scène de la conservation au niveau mondial. Des discours qu'il a tenus à l'ONU, la COP21 qui a été même déjà, qui a entériné un peu cette place pour le rendre au niveau de la conservation. APOI est un processus de soutien au développement de la culture du palmier à huile au Gabon. Et comme vous le savez, le Gabon est un pays forestier. Le pays est couvert à 85% de forêts, de savanes et de divers écosystèmes et d'une biodiversité tellement riche que pour WWF, ce travail, donc cette initiative de développement du palmier à huile ne pouvait pas se faire sans que nous ayons un regard. So I think one of the interesting things about the African Palm Oil Initiative is the embedding set of guidelines around good land use planning, looking at conservation priorities when we're planning for development, and that's a very healthy thing to be doing.